Chers internotateurs et internotatrices, parce que les internotatrices, c'est important, n'est-ce pas? Je trouve aussi. Bienvenue dans cette Trick Track TV où nous avons la joie, le bonheur de pouvoir jouer à Des Vulgari Eloquentia. Donc pour les internautes habitués, ils ont déjà vu la vidéo précédente où notre ami... Geoffrey. Je m'en souviens, Geoffrey de Perrac, voilà, dit le Rescator, Geoffrey, voilà. Nous a expliqué un petit peu les règles. Ont été attentifs notre ami Anthony, qui malgré ce visage... pouponesque, juvénile, est un vrai adulte terminé qui a le droit de conduire des voitures et de boire de l'alcool. Et nous avons bien sûr Guillaume de Le Joueur, l'association éditrice de jeux, qui a participé avec Matago à la francisation, on peut dire ça, hein, traduction. La traduction de cette boîte de jeux. Donc c'est un jeu de Mario Papini, un jeu, on l'a vu tout à l'heure, donc je recherche là pour 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 120 minutes, c'est du lourd, c'est du costaud, il y a de la gestion, du déplacement, des ressources et des points de victoire à grappiller. Je pose cette boîte par devant moi et nous allons commencer. Et j'ai cru comprendre que c'était toi. C'est moi le premier joueur. Qui allait commencer car tu es le noir avec toute la vilainie que tu as sur ton visage. Commence. Je suis toujours. Alors, j'ai 5 points d'action. Donc, 5 points d'action, déjà, même de commencer, on va poser ça là. Mettre, ah oui, je vais me placer en dernier, bien sûr. Voilà, bah oui. Mais c'est pas bien ça. Non, tu te places en premier. Ah oui, on passe à l'envers. Bah oui. Bien sûr. Pour au moins avoir un avantage de commencer. Écoute, donc, comme tout à l'heure dans l'explication, je l'avais vu, je m'étais mis là tout à l'heure sans savoir, mais je me remets là parce que c'est pas loin de Palerme. Et que j'ai un côté sicilien, m'a-t-on souvent dit. Peut-être. Si, si, pour les Italiens, je ressemble à un Italien du Sud. Oui. Ça n'a rien à voir avec les cadavres qui jonchent le sol. Vous n'êtes pas allé à l'arrière de l'officine? Ouf, des toilettes? Derrière, là-bas. Je t'y amènerai tout à l'heure, je ferai. D'accord. J'ai pas peur. Beaucoup n'en sont jamais revenus. Alors, est-ce que je peux me placer au même endroit? Non. Alors, non, évidemment. Au grand nom. Je pense. Sinon, il n'y a pas d'intérêt dans l'ordre de placement. Que, De toute façon, là, clairement, voilà. Enfin, je veux dire, y a t'es pas... loin de tout le monde et c'est mieux. Et puis, non, moi, je suis... Ouais, y a plus et puis, il y a ça. T'as plus de place. C'est oui, voilà. T'es plein. Ça n'est pas une, ça. Non. Ça réduit pas mal les possibilités. C'est ça. Tant pis pour toi. Ok, donc c'est parti. Mais d'ailleurs, pourquoi il s'est placé parce qu'il n'a pas réagi. C'était à toi avant moi, avant les deux autres. Il y a trichette. Oui, il y a trichette, il y a manque d'intention nette quand même de ta part. En fait, tu te plaçais avant les deux autres. Oui, on est parti comme ça alors que... Je suis fort bien là où je suis. Tu veux Non, ça me va très bien. Okay, et le jaune se plaçait avant le noir. Ouais, ça c'était bon. Ça c'était bon. C'était bon. Je ne me suis pas fait arnaquer moi. Donc ok, t'as mis tout ça. Alors on commence et c'est donc le noir qui débute puisque tu es au-dessus de tout le monde. Je suis le moins lettré de tous. On nous écrase. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par me déplacer ou pas. Si, je vais me déplacer. Donc, un point d'action, je me déplace de une région. Bien sûr. Je vais finir mon déplacement ici. Je vais prendre 15 du cas. C'est l'un ou l'autre? C'est les deux. C'est les deux. C'est et les donc, deux. 9 points, je t'avance là de 9. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. Il n'y a même pas des petits repères pour qu'on sache. C'est dommage. Ensuite, je suis dans une ville rose. Qu'est-ce que je peux faire? Tu es à Toulouse donc? Que ça ne te bloque pas, cette petite remarque. Pour une action, je vais prendre le manuscrit rose qui est là. Rose. Exactement. Ensuite, pour une autre action, je vais prendre A Little Cube. Tu marques un point ou pas, là, avec ton truc rose que tu as pris? Non, c'est pas des connaissances, c'est des points de victoire. Ah, c'est des points de victoire. C'est autre chose, ouais. Je dépense 15 parce que j'en ai pris un. Et je vais prendre un check encore. Ah ouais, attends, c'est un peu... Le vert devant. Le c'est noir, un peu servi, le premier qui arrive, quoi. C'est ça, d'où. Ouais, exactement. D'où cette piste-là de repos, j'ai fini. C'est au deuxième joueur et donc. Non, c'est au jaune. C'est au jaune, voilà. On s'est arrangé pour faire le tour de table en fait. Et donc c'est au jaune, moi j'ai fini mon tour. Voilà. En fait, c'est pas si long que ça dans le tour de jeu. Non. Joueur, en fait. Bah si, c'est long au bout du cinquième tour où tu commences à tout optimiser. Ah oui, j'en ai 5, oui, bien sûr. Le sixième, il n'y a pas. Le sixième, c'est un pouvoir en fait, d'un cardinal qui offre un sixième point d'action. Mais c'est me déplacer. Ah, il est bizarre ce pion. Ouais, hein, c'est le pouvoir de Pise. Exactement, hein, c'est là. Tout se tient. En plus, c'est la région. Non, Pise, c'est par là plutôt. Donc moi, je vais aller à Naples. Moyennant, t'as commencé là? Ouais. Ok, tu prends 30, vas-y. Tac. Tiens. Mais laisse-moi faire. C'est pour la question de...
Et t'arrives là. Et donc... Parce que t'as pris 7 points de connaissance. Il va plus rien nous rester, quoi. Non, il va plus rien nous rester. Bah oui, c'est scandaleux, c'est ce que je fasse, moi, après. Ensuite... Et on les transforme, alors je rappelle que les copistes, on les transforme dans les abbayes. Mais à quel... Ah oui, il faut y aller. Il faut y aller, voilà. Et c'est pas une action. Attends, mais vous prenez tout, là. Il y a un truc que j'ai pas précisé, ça peut être important. Les prêtres, on peut les avoir gratuitement dans une abbaye. C'est-à-dire tu vas dans une abbaye. Voilà, et pour un point d'action, on en a un, pour quatre, on en a deux. D'accord. Mais sans payer les 15 ou 30. D'accord, d'accord. Parce qu'on est dans une abbaye. C'est okay. Ça. Il y a plein de petites règles, mais 10, je crois qu'il y a une aide de jeu, là, c'est ça. Voilà, ça exactement. C'est. C'est 10. De quoi? Combien de ducats, ça? 10, c'est écriture. C'est pas fourni dans la règle, ça, je vois, c'est un truc imprimé. C'est à télécharger sur Ludigum. Voilà. Qui sont très actifs. Le jeu a dû leur plaire. Voilà. Je pense. C'est très bien fait, c'est bien réalisé. D'accord. Bon. On les remercie. À toi, Guillaume. Ah non, il m'en reste deux actions. Il t'en reste deux. Il t'en reste deux. T'as fait quoi pour l'instant? Il s'est déplacé et puis il a pris tout ce qu'il est passé. Cube, oui, oui. Fan. Bah, bon, au final. J'aurai le cours d'après. Je vais pas avancer, ça sera moi le premier joueur et je vais prendre. Si t'avances pas dans les. Je vais pas avancer. Là, si tu me rappelles bien. Là, c'est pour étudier à Bologne, ça. Pour étudier à Bologne. C'est ça, ici. Parce qu'en fait, là, il y a 10-15, mais en fait, c'est pas en y allant simplement qu'on étudie, il faut envoyer un messager d'abord. Mais t'es pas à Bologne, là. Et, ouais, mais c'est pas grave. D'accord. T'as pas besoin d'être à Bologne pour faire la piste. La piste, c'est juste pour envoyer le messager. D'accord. On l'y rejoindra quand on le rejoindra. Et donc, il avance de 2. Et là, il a fini son tour. Et il paye rien, là. Juste il avance de 2. Il avance, ouais. Il faut arriver jusqu'au bout avant de payer. Hop. À toi. Et c'est à Guillaume. Mon argent est devant, forcément, oui, je peux le mettre derrière. C'est à moi. Obligatoire, alors... on peut le mettre devant. Ouais. Ah oui, il faut mettre son argent devant. J'ai payé. Calculons bien. Moi, je vais aller à Pavie, parce que je pense que... Alors non. Je suis dernier actuellement sur la piste des connaissances. Non, c'est moi le dernier. Non, c'est le gris. Il est au-dessus. Ah, il est au-dessus. Ouais. Donc, je vais acquérir un petit peu de connaissances pour commencer. 4. 4 points de connaissances, puisque je suis dernier. Ensuite, je vais aller à Pavie. Donc, moyennant un point d'action. Moyennant et pas un d'argent. Point d'action. Et pas d'argent. Alors, est-ce que. Pourquoi pas d'argent? Parce que c'est un déplacement. C'est un déplacement. J'ai oublié de mettre mon truc. Tu payes uniquement quand tu te déplaces de 2 ou plus. Voilà. Okay. Voilà. Est-ce que j'ai un déplacement maritime? Je sais plus. Ah non, ça non, tu ne l'as pas évoqué. Parce que, en fait. Et là où il y a des ports. Là où il y a des ports, on peut se déplacer de port à port directement moyennant 3 points d'action. Et okay. Donc 10 du cap, puisqu'on a utilisé 3 points d'action pour c'est déplacement. C'est très cher. Ou alors, on peut s'arrêter dans la mer. Mais ça fait un point d'action, mais par contre... D'accord, bon, c'est que pour les trucs où vraiment tu en as besoin pour gagner. C'est ça. Je vais avancer sur la devinette de Vérone. Pour y aller, on est obligé. Voilà. Je peux avancer plusieurs fois sur la devinette de Vérone. Bien sûr. Bien sûr. Même, il faut en profiter tant que tu es dans, ouais, dans les pays où on parle la langue d'oeil. Dès le début, il faut y aller. Faut creuser l'écart sur la devinette de Vérone. C'est pas mal, ouais. C'est fait. Ok. C'est bon. Et donc moi, tant qu'on est dans les verts, il vaut mieux aller où, là? Il n'y a rien, en fait, pour les verts. Il n'y a plus de manuscrits, non. À quel moment on remplit quand on a fait un tour complet? Voilà, hein, quand tout le monde a joué. Voilà. Il te reste un prêtre quand même qu'il n'a pas pris. Mm-hmm. Bah, déjà, je vais me déplacer pour. Ouais. C'est ça là. Ouais. Que surtout ne le laisser à personne. Ouais, parce que là, il y a un port, il aurait éventuellement pu aller là. Donc, je vais mettre un jeton vert là-dessus, c'est ça? Voilà, comme quoi tu as déjà marché. Je prends ça. Non, tu le retournes, peu importe. C'était combien là-dessus? 50. Plus 25, ça fait 75 tâches. Et. Monsieur Faléris. Mais il me reste que ça. Hein. Ça, on le vire alors. Hein. Ouais, voilà. On peut le prendre. Ok, ça. Maintenant, avec tout cet argent, qu'est-ce que je puisse donc faire? Ça, c'est quoi déjà? Là, je touche 10 si je vais dessus. Voilà, j'ai pas ça. Besoin d'argent, donc je m'en fous. Oui, t'as déjà fait. Là, je gagnerai 4 points, donc je viendrai sur lui et du coup, je serai le dernier. C'est ça. Donc, du coup, je passerai premier joueur. C'est ça. Ce qui est plutôt pas mal. Puisque personne n'investit dans la piste de repos. D'accord. Donc, tu seras de toute façon premier. Tu peux aussi te redéplacer si tu le souhaites. Non, parce que non. Ah oui, c'est vrai. Je me suis arrêté. Bien sûr. Il a fait son action dans la ville, il ne peut pas se mettre. Je ferai ça les tours suivants. Donc, là, ça ne me sert à rien d'aller là parce que je ne suis pas dans le bleu. Là, ça. Je pourrais. Ça, c'est au-delà du tour 11, donc on n'a pas. Ça, c'est les villes franciscaines, donc c'est celles-ci, là, qui sont ouvertes à un tour précis. Tu peux prendre Je peux prendre ça, je vais peut-être le prendre. Pour 15. Oui. C'est intéressant, c'est toujours intéressant. Surtout de l'argent. Voilà. Donc je vais prendre ça, je donne 15, donc 10. Et l'orange. Ça, c'est 5, ça. C'est marron, c'est écrit derrière, de toute façon, Pierre. Ah d'accord, donc voilà, j'ai pris ça pour 15. Ok. Ok. Après. Le jaune, tu le mets derrière ton paravent. Ok. Je peux prendre des trucs là? Non. Tu n'es pas dans la zone. Je ne suis pas dans une zone.
Bah, il est vert, mais vert, il n'y en a pas de niveau 1 et t'es pas de niveau 2. Donc, s'il te reste à faire, c'est soit. J'ai pas d'autre choix que ça. Hein. Ouais. Ça, parce que c'est idiot de laisser passer 4 points. Oui, c'est toujours ça de prix. Ça, non, on n'y est pas encore. J'ai que ça d'intéressant, oui. Là, en fait. Voilà. Hein. C'est ça. Parce que là, c'est quoi déjà ? C'est les copistes, c'est tout ça. Mais c'est tu n'en as pas à disposition. J'ai rien disponible. Donc, c'est un peu automatique, mon coup, là. Là, exactement. C'est presque ça. Ou sinon, tu peux reprendre de l'argent si tu veux. J'en ai plein d'argent. Ou encore donc, des points de connaissance. Non, non, je préfère rester là. Donc, je vais mettre ici. Et tu mets encore juste derrière. Encore des points de connaissance, non, il ne peut pas. Et c'est que 1, c'est marqué 1. Oui, c'est vrai. Non, la seule chose exactement. Que je puisse faire, c'est ça. Et là, je fais 2, paf, paf, je suis sur lui. C'est ici, ça, d'accord. C'est ça. Sachant que c'est une piste où il n'y a pas de course. C'est-à-dire d'accord. Que le on arrive là-bas, il prend son truc. Ok. Okay. Donc, on calcule les... Qui est premier, alors, c'est moi. Alors, je précise un petit truc. C'est après l'ordre du tour. Normalement, c'est au début du tour qu'on refait l'ordre. D'accord. Et mais enfin, c'est pas important. D'abord, on remplit. Ouais, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est surtout qu'après avoir fait l'ordre du tour, normalement, il y a la phase d'aumône. Ah, bon, et là, il y a ni frère. Donc ni... Là, on vient de finir le tour. On est arrivé à toi. C'est donc on recommence le tour. On recommence le tour. Donc je remplis ici, c'est ça ? C'est ça, ouais, voilà. Ici, on fait l'ordre. Voilà. Je suis premier. Moi, je suis dernier de toute façon. T'es dernier. C'est le jaune qui est là et le gris deuxième. C'est ça. Donc, on a fait ça. Ça avance. Ouais. On a pris tous les cubes, il n'y en a pas replacé. Ça, c'est ça va où ça ? Ça va là. Voilà, c'est ça. Et le premier qui va dessus, il a 4 points. Il a 4 points de connaissance. Voilà. Alors là, il y a beaucoup de prêtres. C'est pas mal. Et je risque d'y aller. Et hein. Voilà. Surtout que j'ai plein d'argent. Monsieur Fall de jouer avec les jolis pions violets. Donc là, si je me pose dessus, ça veut dire que je vais dépenser 30 pour prendre 2 non, cubes. Non, non, c'est 4 actions pour aller prendre les 2. Ah oh, putain, c'est super relou, ouais, quoi. Ouais, ouais. Du coup, il y en aurait quasiment sur un pour chacun. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est 30 si je veux prendre celui-là ? Un seul, ouais. Waouh, la vache ! Ouais, mais là, ça vaut 3 votes. Ça vaut 3 points de vote et puis. J'ai 50, ouais. Il y a 50 plus 20, 70. Ça. Ouais, j'ai de quoi voir venir. Ouais, ça va. Comparé à nous. Ouais. En fait, il est intéressant de prendre le rouge là tout de suite. Ouais, c'est oui. Pas mal. Hein. Il y en a un deuxième là-dedans. Étant donné que tu es premier joueur. Mais faut pas hésiter. En plus, ouais. Mais de toute façon, vous avez l'argent, vous, non ? Vous avez non, là. Ouais, mais on peut aller là. Enfin, lui, en tout cas, il peut aller là. Il l'aura, là. Écoute, je vais pas hésiter une seule seconde, parce que quand même, une fois qu'on a l'argent et qu'on a le... On ouais, vaut mieux en profiter. Donc, je te file 50. Voilà. Voilà. Est-ce que le vert, il... Alors, le vert, ce sera soit des points de connaissance, soit des points de victoire. Non, mais il faudra les changer dans les... Pour le prendre, je me mets dessus. Voilà. Et j'en prends c'est un. Tout, c'est tout. Je vais le faire, faut pas hésiter. Bah ouais, ouais, bah, tant qu'il est tout seul, en plus, voilà. C'est pas mal. À la limite, je peux prendre un jaune, mais je vais peut-être attendre un petit peu. Ouais, voir ce que tu peux faire. Ouais. Là, avec... Je vais peut-être me déplacer, parce que me déplacer... Alors, l'inconvénient, maintenant... C'est que t'es là. Voilà. C'est pas très... Faut prendre le bateau. Le bateau pour aller ici. Non, mais il n'y a rien ici. Là ou là. Bah, regarde ce qui vient, en fait. Au pire. Après, ça va venir en Sardaigne. C'est pas mal d'aller en Sardaigne. Ouais, et puis juste derrière, il y a Napoli aussi. Donc après, ouais, c'est toi qui vois. Sachant que si tu veux faire peu rapport immédiatement, c'est très cher. 3 actions. Et 10 du cas. Sinon, bah, tu vas dans la mer et ouais, tu restes ce tour-ci. Sinon, ça me coûte gratuit pour venir là, puis 10 pour venir là. Voilà, c'est ça. Et 2 actions du coup. Et 2 actions du coup. Et une fois là, je fais rien. Alors que venir de là, ça va me coûter combien, tu m'as dit ? Directement ? Ça me coûte 2 actions ? 3 actions. Ah, je ne les ai pas. Bah, si. Si, je les ai. Mais 3 actions ? 3 actions, il dit du cas. 3 actions, il dit du cas. Mais il n'y a pas la plaque encore. Ah, il y a un manuscrit aussi, si tu veux. Parce que là, tu es dans la manuscrit. Ouais, ouais, ouais. Je vais faire ça. Je vais prendre le manuscrit qui est ici. Oups. On a vu ce que tu as fait. Non, mais là, je suis vraiment carrément. Le vert, il va devant. Oui, je suis monstrueux là. Écoute, je vais prendre un jaune, je ne vais pas vous le laisser, parce que si je ne suis pas premier joueur après, je vais avoir dans le fion. Bah, tu peux investir dans la piste de repos. J'aimerais bien me déplacer quand même. Bah, ouais. Pour un, je ne peux pas me retrouver là. Non. Si. Et si, après si. Là. Ouais. Dans, pour un, tu arrives là, et au prochain tour, tu seras obligé par contre de débarquer. Donc, bah, je débarquerai, au prochain tour, il y sera lui. Non, il est non, lui, c'est pas. Non, mais c'est bon. C'est bon. Non, je vais avancer. Voilà. Je vais avancer ici, gratuitement, je suis dans l'eau. C'est ça. Moi, j'ai fini mon tour, jeunes gens. Dans la mer. Ça reste là-dessus à tout jamais ou... Ouais. Et on s'empile ? Ça veut dire que je ne peux plus y retourner, si ? Tu peux y aller, mais tu ne marchanderas pas, par contre. Alors, une fois qu'on a marchandé, on a marchandé à tout jamais. Voilà, d'accord, c'est ça. Ok. Alors, moi, imaginons, je veux retourner ici. C'est à moi, mon cher Geoffrey, si je peux le permettre. Ah oui, pardon, je tournais en... Ouais. Oui, s'il retourne là, lui, il pourra marchander ou pas ? Non, il pourra plus. Si, il peut marchander, mais il ne peut pas prendre... Enfin, l'action, il n'y en a pas eu, donc c'est... Ouais, mais je pourrais la prendre, l'action. Mais je... Oui, voilà. Ouais, bien sûr. L'action et... le petit événement et puis le fait de marchander, c'est deux choses intéressantes. D'accord. Donc, il ne peut plus marchander, mais il peut prendre la tuile. Voilà, okay. C'est ça.
Alors d'accord, devenir frère, c'est gratuit. Si, on s'en souvient parce qu'elle n'a pas été retournée. C'est dans les habits que ça se fait. C'est le premier qui arrive qui la prend. C'est ça. S'il veut. Devenir frère, c'est dans les habits ou dans les monastères qu'on le devient ? C'est dans ces trucs-là. Les monastères. Donc. Il veut déjà devenir frère, lui. Ça, faut que tu fasses deux déplacements. Donc, toi qui as fait plusieurs parties, les stratégies disponibles, c'est quoi pendant qu'il réfléchit ? On peut en discuter. Ouais, alors. C'est quoi ? C'est accumuler suffisamment de points de vote pour être pape ? C'est-à-dire qu'on peut déjà choisir d'être pape. On peut devenir lettré très vite pour accumuler les manuscrits, par exemple. Ouais. Donc, parce que c'est des points directs, c'est des trucs assez sûrs. Je vais aller à Milan. On peut viser de ne pas forcément être pape, mais être chambellan et accumuler aussi les points de victoire en rapport avec le cardinal. On peut rester marchand pour devenir ensuite banquier et puis avoir les points qui vont avec en étant le plus riche. Parce que être banquier et très lettré, ça se fait facilement. Ce qu'il faut, c'est être lettré pour récupérer tous ces trucs-là, parce que c'est 4 par 4, c'est plutôt intéressant. C'est assez puissant. Et puis se promener de région. Alors là, ils sont doubles. Déjà déplacés. On peut être dans le vert et dans le rose. Deux, voilà. Mais il faudrait que, si je reste dans la région verte. Mais bon, par contre, pour avoir peut-être connaissance, faut vraiment investir. Mais déjà, je peux en avoir deux. Il faut que j'aille là, quoi. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, ça serait. Non, on peut les prendre un par. On peut en prendre qu'un. Oui, mais j'en prends un par un, mais il faut déjà passer ça pour aller chercher celui-là, puis celui-là reste dans le vert. C'est ça. Ok, je commence à y voir plus clair. Sachant que, faut remarquer aussi que je vais les villes en orange sont très séparées les unes des autres. Et il y en a très peu. Donc là, je me repose. Non, c'est pas ça, c'est là. Je me repose. Non, tu le laisses là. Tu mets un nouveau pion. C'est si quelqu'un est plus reposé que toi, il te passe devant. Voilà. Et. Tu vas me reposer jamais, vous ne me verrez jamais me reposer, moi. Moi, si. Non, jamais, moi. Une machine de guerre. Anthony non plus, je suis sûr, vu qu'il est jeune et frais. Oui. Justement, il est encore. Les adolescents dorment beaucoup. C'est un jeune fou. Non. Oh, si. Adolescent, je dormais pas, moi. C'est pas normal, je te jure. Je vais me prendre. Normalement, en pleine croissance, on est fatigué tout le temps. Non, moi, je vais me prendre un peu d'or. Non, t'as fait du même bois, Anthony. Non, alors. Ouais, voilà. Par contre, tu prends. Voilà. Parce que 50, ça fait un peu beaucoup. Voilà. C'est bon. On surveille, tricheur. C'est au jaune, donc. C'est à monsieur jaune. Monsieur jaune. Voilà, et en fait, une fois qu'on a fait deux tours, on a complètement compris. Il suffit juste de voir comment on marque les points pour être sûr de sa stratégie, mais je vois donc à peu près. Bon, il y a un petit rappel quand même sur le paravent. Ce qu'on va faire est simple. À jouer, c'est assez simple. Ce qui est assez difficile, c'est de se définir une ligne stratégique. Mais c'est ce qu'on demande à un jeu. Sinon, si à jouer, c'est simple et qu'en plus, les stratégies sont simples, les joueurs un peu chevronnés n'ont pas envie d'y jouer. Ah bah là, il y a de quoi alors faire. Alors que là, il y a de quoi faire. C'était comme ça, je crois. Oui, je suis au-dessus de ça. Hop. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je peux atterrir directement ici? C'est la même. Non, le port est là. Le port est là. Je t'atterris là. Qu'est-ce que tu viens chez moi, toi? Il te double. Tu sais que tu vas le regretter, Jean-Anthony. C'est ce qu'on verra. Oh, bah, c'est sûr. Donc 3, 10 du cas. Tu peux les mettre là. Je les reprends, les 10 du cas, de toute façon. Pourquoi? Parce qu'il gagne 10 du cas. Ouais, donc tu regagnes tes 10 du cas, en fait. Parce que c'est la propriété de Cagliari. Il t'en reste combien? Deux actions encore? Ah oui, parce que tu as fait juste ton déplacement là. Oui. Pour deux actions, tu peux éventuellement prendre un peu d'art. Ah oui, non, c'est pas ça. Je vais reposer pour avoir le choix. Ça marche, bah mets ton jeton. Ouais, d'accord. Je vois. Attends, je te le mets. Ok. Mais t'es arrivé après, on est d'accord. Oui. Donc le repos n'aura pas d'incidence pour toi. Il faut être en tête de la piste. Tu seras passé premier. Tout à l'heure. Après, mais. Une fois que j'aurai pris ça. Voilà. Ouais. À moins que tu te reposes deux fois. Non, mais. Moi, j'ai bien compris le coup du repos. T'as déjà joué ? Oui, et alors ? Il expliquait que le coup du repos, là, ça marche. C'est que celui qui est en tête. Oui, là, ça marche. Voilà, là, par contre, oui. Mais c'est parce que ton ami t'a aidé. Pas du tout. Voilà. Bon, moi, j'ai mon petit cul comme ça. Et ah oui, non, mais j'ai pas d'argent, en fait. Je t'en prête si tu viens là sur sa tête. Ouf, non, ça ne marche pas. Ça marche pas, ça, on n'a pas le droit. Ça marche pas. Je suis là, tu moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aïe. Il me faudrait 7. Attends, laisse-moi réfléchir. Je vais bouger à Rezzo, tant qu'à faire. Il arrive quand le truc de Firenze? Il est loin. Bon, je bouge à Rezzo pour 1. Je prends mes 6 points de connaissance, j'arrive juste avant. Tac, j'en prends 3. 1, 2, 3. Tac, je prends le manuscrit. Il me reste un point d'action. D'ailleurs, il faut que je mette mon petit truc là. Il me reste un point d'action. Et pour un point d'action, je vais prendre un peu d'argent parce que là, je suis un peu à la. Et je vais prendre 10 ducats.
Voilà. Là, on a fini. On a fini le tour. On a fini le tour. Okay. Donc, on récapitule les positions. Enfin, on refait les positions. Il n'y a pas d'omen, donc, on a dit. Hein. Non. Donc, normalement, le premier joueur, ça serait moi. Ça serait le gris. Ensuite, c'est moi. Ensuite, c'est le jaune. Ensuite, c'est le noir. Mais comme le jaune est devant, il passe devant. Et il redescend ici. C'est le vert qui passe avant. Le vert est moins lettré que le gris. Alors, on recommence. C'est ça. Le vert est premier devant le gris, le jaune et le noir. Vert, d'accord, gris, ok, jaune, parce noir, qu'il est devant. Le jaune passe le dernier, il passe devant, d'accord. Parce et que par contre, on le replace au début de la piste du repos. Mi-jour en premier, donc il prend d'accord. Les trucs. On remet les manuscrits. Donc un ici. Ces deux cubes-là, on les met au tour suivant. Ok. Et on replace. Et là, on voit tout de suite l'importance de se reposer. Et on voit l'importance de se reposer parce qu'il peut marquer par exemple, 8 points de lettrage. Déjà, et il peut prendre le cube noir par exemple. Il ne peut pas tout faire. Ouais, mais il peut en faire suffisamment. Donc il vient là, il prend 8 points de. Ouais, je peux le retourner juste. Toi, t'es le jaune. 1, 2, 3. Deuxième action, je prends le cube noir. T'arrives là, hein, c'est ça. Ouais. Troisième action, je prends. Ouais. 30, t'as pas assez. Faut que tu prennes de l'argent d'abord. Et ben on va prendre de l'argent. 10. Et bah tu peux le reposer en fait. Puisque si tu prends le cube rouge. Ouais, il sert un peu. Il y va. Le coup du repos, ça y est, moi je viens de voir. Voilà. Je pense que beaucoup de gens vont aller sur cette case tout le temps. J'ai pas expliqué cette piste-là, il me semble pas. En fait, c'est simple, quand on arrive au bout, quand on marchande dans les villes, on gagne 10 ducats supplémentaires. D'accord. Voilà. Ça sert quand on est marchand. C'est donc à moi maintenant. Non, il en reste un. Il t'en reste un. Il lui en reste deux. Qu'est-ce que tu vas faire ? T'es où toi ? Bah, prends le manuscrit. Ouais, ça ne joue qu'un point. Oui, mais. Ça. C'est pas mal ça. Hein. Ouais, ça vaut 3 points de connaissance ou 1 point de victoire, donc c'est à peu près pareil. C'est pareil. Donc tu le mets devant par contre. Voilà. Ok, et là c'est bon, c'est à monsieur Fall. Je suis en tête dans les votes. C'est cool. Bah écoute, moi j'ai fait un petit déplacement. Les sondages ne sont pas toujours exacts. Ils ne sont pas le reflet de ce qui se passera forcément. Et du coup, je vais aller à Naples. Bah tu peux. Pour recouvrir ta table. Hein? Je dis. Pour recouvrir ta table, tu vas à Naples. Oui, c'est ça. Oula, oui. Ouf. Donc là, normalement, j'ai 7 points de connaissance et 30 ducats. Et est-ce que quand le tour d'après, si je suis le premier joueur, ça va aller ici avant de partir, avant de partir, je le fais, puis après, je me déplace. C'est ça, ouais. Tu vois, je retombe sur mes pattes. Je ne chie. Donc par contre, tu prends tes. Je prends 30. Tu passes moins 20. 4 points de connaissance. Mais c'est déjà ça. Je t'ai fait la monnaie. Et là. Tu prends 7. Bah, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il te reste encore plein d'actions, t'as fait qu'un mouvement, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est pas mal. Ah ouais, puisque du coup, t'étais dans la mer. Bah oui, je suis dans la mer, c'est pour ça que ça servait à rien de courir comme un forcené, il va y avoir. Pour aller voir ce que faisaient les autres. Eh oui, il faut toujours se laisser des. Tu vois, des. Et oui, c'est ça. Donc ensuite, je vais aller. Puisque je suis dans du vert, je reste dans du vert. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Où est-ce que je peux gagner 5? Je ne peux pas. Je peux gagner que 3. Oui, il faut que c'est 2, 3. Je pourrais aller très bien aller chercher les deux là-bas. En vert, parce que l'autre, il va y aller. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en faudrait 5 au minimum. Je peux en prendre 3 ici. Hein. Et en manquer 2. Où est-ce que je peux récupérer 2? C'est pas possible. C'est pas possible. Si hein. T'es dans la ville. Eh ben, je vais attendre, c'est tout. Hein. À moins que tu. Non, bah non, tu peux pas. Non, il n'y a aucun endroit où je peux récupérer. Okay. Écoute, je vais aller mettre. Tu peux en mettre 2 ou 3. Ouais, j'ai pas envie de me faire avoir. Donc le premier, il va là, c'est ça? Sachant que quand t'es le premier, en fait, ça force ceux qui veulent investir dans la piste à mettre beaucoup. À mettre encore un de plus que toi, en fait. Au moins 2, c'est bien, là. Ouais, c'est bien. Personne ne va vouloir monter. Lui, il peut pas, de toute façon, c'est réglé. Vous êtes trop loin pour aller là, parce qu'il n'y a que lui qui peut me passer devant pour récupérer des trucs, là. Fumier. Qu'est-ce que je vais faire? Après, on est à Napoli, d'accord. Et après, c'est Venise. Écoute, je vais les prendre pour pas qu'ils me manquent. Hein. Voilà. Non, c'est mal ou pas? Non, je te vois ricaner, sourire dans ta barbounette. Ouais, c'est vrai que ça fait une barbe. C'est barbe rousse. Je peux pas rivaliser avec la teneur barbique. Les jaunes, c'est combien de points de vote? C'est marqué là. C'est 1. C'est 1 les jaunes, 2 les noirs, 3 les rouges. Mmh. Après, ça dépend de ce qu'on a l'intention de faire et de. Je ne sais pas encore.
Déjà, j'accumule. Pendant la moitié du. Je pense que la moitié du truc, tu commences à accumuler des trucs et puis. Sachant que ceux qui ne sont pas achetés sont réinjectés autour d'après. Ah, puisque, ouais. Par exemple, c'est quoi déjà ça? Laquelle? Oui. Ça, c'est le messager pour aller étudier à Bologne. Sachant que pour avoir les 15 points de connaissance, il faut finir la piste avant le 8e tour. Il faut y aller maintenant alors. Et on est au 2e tour. Je vais faire ça. D'accord. J'ai fini mon tour. Il me semble. Voilà. Bah, s'il n'y a plus de correction. C'était rapide. C'était, ouais. C'était moi. C'est ta Guillaume. Alors. Je suis assorti au point d'action. Ouais, c'est joli. Toi, tu viens de cette région. En plus. Alors que toi, tu as 34 points de connaissance. Tiens, si tu veux me faire avancer. 34 points de connaissance. 4 points de connaissance. 1, 2, 3, 4. Lui, voilà. C'est un illettré. Ça se voit. Guillaume est illettré. Pour le je moment. Vais prendre un parchemin de cette couleur-là. Manuscrit. Voilà. Manuscrit, exactement. Je vais après. Probablement me déplacer. Ou pas. Ou pas, en fait. Ouais, voilà. Ouais, parce que je vais peut-être attendre que Venise apparaisse. Venise, ouais, c'est dans... C'est dans deux tours. Deux tours. On est déjà au 3. Ouais. Mais, si je vais à Bologne, il ne se passe rien. Oui, attends, mais attends. Si je vais à Bologne, il ne se passe rien. Ça fait 30 minutes, ouais. Je pourrais aller là, ou alors je vais là, sinon et je change complètement de stratégie, je deviens frère. Et toucher le bon. Ce qui est marrant. Ouais, ça ouais mais je voulais me reposer. Ça permet de voir la face de l'aumône. Je voulais me reposer pour passer devant Fall. Mais non. Mais non, c'est pas utile. Pourquoi tu veux passer devant lui? T'es pas du tout en concurrence avec lui. Bah oui. Ouais. T'es là, il est là. Si, sur les pions noirs et. Non, mais qui passe devant. Noir et rouge. Bah vas-y, passe. Moi ça me va. T'as combien d'argent? Il a 30, c'est pas mal, c'est plus que moi. Bah c'est oui, t'as pas noir et rouge. Vas-y, ça me va. Sache que je n'ai ça veut dire que je ne dépense pas mes points de repos du coup. Il faut que je dépense. Non, ça veut dire qu'il reste là. Faut que je moi ça me va. Bah lui oui, c'est que pour aller là, pour devenir frère, donc je dépense deux mouvements, on est d'accord. Il est malin le frère. Eddie Ducas. Non, viens là, sinon je vais toutes les prendre. Ensuite, il me reste une action. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec cette action? Tu deviens frère ou pas? Ouais. Bah vas-y. C'est ouais, t'as tué le frère. C'est pas une action ça? Ah non, c'est pas une action, c'est tu deviens frère. Donc tu deviens frère, donc choisis frère. Qui tu es. Choisis qui quel tu es. Quel genre de frangin tu es. Et tu peux éventuellement. Ah ouais, mais c'est trop tard, t'as déjà pris le manuscrit de toute façon. Parce que tu pouvais gagner sur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas s'il y en a un qui donne 8 points de connaissance. Il y en a un qui en donne 12. Eh ben voilà. T'aurais pu éventuellement prendre un manuscrit de niveau 2, mais. Mais oui, mais j'étais pas sur la bonne couleur. Non, t'es pas sur j'étais pas sur la bonne couleur. Du coup, j'ai une question. Oui. Si jamais il prend, imaginons, 8 ou 12 points et qu'il se retrouve ici, ouais. De base, de fait, c'est moi qui suis le dernier, donc premier. Est-ce que ça bouge? Non. Ah si. D'accord. Quoi qu'il arrive, à la fin, le okay, celui qui est en tête sur le repos okay. Est remis au début. Ok. Donc, après, ça, faut le oui, voilà, il faut le savoir. Je vais prendre frère Guigui. Et il fait quoi, lui? Bah, il fait moins 4 points de victoire, mais je ne vais pas rester frère toute ma vie. De toute façon, ça et tu gagnes une aumône de 10 au lieu de 5. Et ouais. Ah, c'est énorme. Faut qu'on lui donne tous 10. Non, c'est le marchand le plus riche. Donc je crois que... Ah, d'accord. J'aime bien quand on me dit tout, moi. Je vais les claquer, ouais, moi, mes sous. Je remets ça. Bah du coup, ouais. Et sachant que c'est avant de jouer, avant de dépenser. Et quand on n'a pas d'argent, il les prend à la banque. Voilà. Quand il n'y a aucun marchand plus riche que lui. Puis je vais me prendre un petit pion jaune. Comme un fou, moi. Je paye. Alors par contre, attends, ça c'est 50. Tu vas dépenser la moitié de ton argent. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, avant d'être frère. Combien frère? Il est resté 10. Attends. Non, il est resté 10. Je paye la moitié de mon argent. Il te reste 10. Voilà. Et ça... Bah t'as fini en fait. Où est-ce que mon dernier... Ah ouais, mais non. Ah non, je peux pas jouer ça du coup. T'as pas assez. Je peux jouer ça. Je peux toujours faire le petit commerce en étant frère. Ouais. Tu l'as pris le... Non, j'ai pas. Non, il l'a pas pris. C'est bon pour moi. Alors, écoute, moi je vais tout de suite prendre ça, je pense. Parce que j'ai rien envie de donner à Guillaume. On ne sait jamais. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis où? Je suis noir. Je regarde, moi, la région verte. Ça, c'est aléatoire systématiquement. Parce que, par exemple, du rose, il n'y en a qu'une. Ouais. Mais c'est il n'y en a qu'une, d'accord. C'est celle-là. Ok. Clarence. Alors, moi, écoute, je vais bouger pour 1. Je vais aller à Rome. C'est bien, Rome. C'est joli. C'est joli, Rome. Mmh. Et je prends... non, pas celui-là. C'est 15. Et 8 points de connaissance. Donc, 8, c'est parfait. Faut que je passe le 2, là. Faut que je passe le 2, bon sang. 7, 8. Voilà. Ensuite, je vais prendre 2 points de machin chose, là. Hop, pour avoir un nouveau manuscrit. Il y va, lui, hein. Il a déjà joué, hein. Et ensuite, je vais commencer... Pourquoi t'es deux fois dessus, là? T'en as deux actions. Ah, c'est deux actions. Niveau 2. Ah oui, putain, c'est cher. Ouais.
Et ensuite, bah écoute, je vais commencer à être les psy parce que bah, mine de rien, il va falloir se battre pour se reposer en fait, c'est bizarre. Mais... Ouais. Et voilà. Moi, j'ai c'est terminé, donc ouais. Maintenant on calcule. Alors, une place. Tour. On refait. La l'aumône d'abord peut-être, non, c'est pas ça? Non, c'est après avoir mis une définition. Donc, on dit que c'est d'abord le gris. Voilà, après le vert. Le vert, le jaune et le noir. Mais comme moi je suis là, je passe devant. Comme il est au repos. Ça ne servait à rien en plus. Donc tu passes en tête. Voilà. Voilà, on remet nos petits manuscrits là, hop, et il en faut là. Ok. On fait l'aumône. On fait l'aumône. Donc je donne 10. Tu donnes 10. Au lieu de faire Gigi. Merci mon bon monsieur. Gigi, je t'en foutrais du Gigi. Tu les as déplacés les cubes ou pas? Oui. Non mais là, il y en avait. Il y en avait deux. Non, il y en avait trois. Il y en avait deux. Deux. Et ben faut les enlever. Oui. Faut les mettre là. Faut les mettre ici. Toute la chose. Ok. Ne faisons pas les choses dans le désordre. Les cinq machins. Et c'est à moi. Et vêtements à Naples. C'est chez moi. Donc. Comment ça se passe pour commencer à faire ça? C'est un point de mouvement de déplacement, c'est ça? Ou je le non, fais? Alors, non, il ne faut pas bouger. Je le fais. Donc les actions sont avant et après déplacement. Donc je ne peux pas prendre les 30 et les 7 parce que je l'ai déjà fait, c'est ça? Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Je fais ça, j'ai 4 points. On est d'accord? Ouais, et ça tombe bien, il y a des manuscrits ouais. Niveau 2. Donc je peux prendre ça, ça me coûte 1. Et on peut prendre qu'un manuscrit par tour. Ah, d'accord. Donc prends le deuxième. Le dilemme. Bah oui. Enfin, mais c'est après, deux actions, c'est pareil. Bah oui. Autant prendre celui de 2. Ça dépend, parce qu'il ne faut pas oublier aussi quand une pile est épuisée, donc là, typiquement, le niveau 1 va être épuisé, la Volgaré va entrer en jeu et ça va réduire les coûts. C'est toi qui vois. Si tu as envie que les coûts soient réduits. Oui, parce que c'est cher quand même, deux actions pour deux. Attends, je calcule mes actions d'abord. Ouais, voilà. Hein, je vais calculer mes actions en dernier. Parce que là, par exemple, là, ça coûte quoi là? Je me mets dessus, c'est. Rien, c'est juste une action. Et le noir, c'est 3 votes, c'est ça? C'est 2 votes. Et le 3 votes, c'est lui. Voilà. Ça me coûte 30 si je fais ça. Ouais, c'est ça. Alors attends, si je me déplace là, j'ai 15. Pour deux actions. Non, pardon. Tu veux l'action d'Izzy? Oui. Ouais. Je vais faire ça. Je me déplace. Je viens là. J'ai 15. Tu me les donnes? Hop. Hop. Ok. Le rouge, je me mets là. C'est 30. Tu m'as donné 50. Non. C'est ce que tu avais. Ça, c'est ça. Non, j'avais 50? Oui, t'étais très riche. Tu avais 60 à la base. Ah la vache, mais j'étais Tu t'es fait plein de blé à Palerme. Ah bah oui, c'est vrai, oui. Bah tant mieux. Mais je vais tout claquer, moi. Mais non, je veux pas donner à l'autre fumier. Bah, donc, là, ça 10, 30. C'est cher, hein, 10 partout. Alors l'aumône, par j'achète. Contre... Donc, j'achète juste... ça pour 30. L'aumône, c'est jusqu'au 11e tour. Mm-hmm. À partir du 12e... Il faut que je claque ma thune. Oublie pas aussi que si tu restes marchand jusqu'au bout du jeu, mm-hmm. être le marchand le plus riche, ça ah, fait... Ah, mais lui donner 10 partout, ça me fait mal. Ça fait 7 points de victoire. Ok, c'est pas vrai, ça, c'est une bonne méthode psychologique pour ruiner les marchands, ça. De moi, je m'en fiche, ce serait la banque qui me donnera. Là. Ouais, toi, de toute façon, tu as assuré tes 10 ducats par tour, de toute façon. Donc, monsieur frère Gigi. Je prends ça pour un. Ok. Donc, finalement, comme ça. Ouais, c'est mieux. Ok. Ensuite, ça, je suis loin. Il faut que j'investisse dans ça. Ça, si je le pose, c'est. Tu le prends. C'est gratuit. Ça, c'est 15, on en prendra un. Mm-hmm. Et les deux, c'est 60, mes deux actions. Non, les deux, c'est 30. C'est 4 actions. Non, là. Ah oui, c'est 30, mais tu vois, ah, c'est 4 actions. Mais 4 actions. Je vais en prendre une. J'ai de l'argent, j'achète. J'achète. C'est 15. C'est 15, j'achète. J'ai 5 là. T'as 5, je crois. 5. Ouais. Non, c'est mis, il a 5. Hop. Ok. Et il me reste une action. Après, on va aller à Venise, c'est loin à Venise. Ou alors, j'y vais en bateau. Des points de connaissance. Ou... Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. T'es où, toi? Ah oui, donc t'as passé niveau 2. J'ai passé le niveau 2, j'ai un peu de temps avant d'y aller. Puis le niveau 3 est là, par contre le 4... Il est très loin, il est très très loin. Est-ce que je m'en fous d'être premier joueur ou pas? Ouais, j'en ai rien à caguer, je vais vous laisser vous battre. Je vais faire ça. Là, le premier arrivé là, il a un jaune et non, un c'est machin. Pas le premier. C'est tous ceux qui ouais. arrivent. N'hésitons pas une seule non, seconde. Non, c'est pas il a, c'est ce que tu dépenses, et après tu peux étudier à Bologne pour avoir les points de connaissance. D'accord, n'hésitons pas une seule seconde. À Bologne. Non, c'est pas la même. Moi, je crois que j'ai fini mon tour. C'est encore moi le plus riche, c'est moche. Et s'il est plus riche que nous, on lui donne quand même? Non, s'il est plus non. riche, c'est la banque qui ira lui donner. D'accord. Oui, parce que quand même. Alors, ouais, voilà, moi j'ai fini. D'accord, c'est à qui de jouer? Le vert, le gris. Le gris. C'est à moi. Gris. C'est à frère. Frère Guigui. C'est relativement sorti à sa chemise. Voilà. Relativement. Donc, je pense que je vais aller... Il aurait fallu un t-shirt vert. Ben oui, si j'avais su. Je vais commencer par acquérir 4 points de connaissance. Très bien. Ensuite, je vais aller à Firenze
Tu prends 15. Non, il prend pas 15. Il prend que 9 points de connaissance. 9 points de connaissance. Pourquoi? Parce qu'il est. Je ne prends pas l'argent maintenant. Je collecte plus. Ah oui, il ne collecte plus l'argent. Je ne collecte plus l'argent. Mais c'est pas grave, j'ai des généreux donateurs. Je suis très bien. Mets ton pion sur ton déplacement quand même. Je me précipite. Non, il ne veut pas, mais il s'en fout. Je me précipite sur le pion noir que tu as. Je l'ai laissé. Mais c'était que 1, tu m'as dit. 2. Ah, c'est 2. Ah merde. 2 points de vote. Ah, mais c'est couillon. 2 et 3. Ah oui, c'est couillon. J'ai zappé. J'ai entendu l'inverse en fait. C'est pas grave. C'est étonnant d'ailleurs pourquoi il est moins cher alors que les autres sont payants en plus pour les avoir. Les verts. Les jaunes? Ouais, les noirs c'est ce qu'il y a le moins. En fait, c'est quand tu regardes, il y en a 4 là. Et oui, c'est pour ça. Pourquoi le jaune alors qu'il y en a plein c'est payant et que le noir qui est rare et c'est pas payant? Parce que le jaune faut l'utiliser pour cette piste là, le jaune faut l'utiliser pour cette piste là. D'accord. Donc, Ok, pas grave. Voilà. Et puis il vaut qu'un point de vote, donc vous en accumulez plus. Ah, c'est ça, c'est un point. Le jaune c'est un point de vote. C'est un point de vote. Donc pour avoir 3 points de vote, l'équivalent d'un rouge. Je peux être en tête là. Donc les cubes jaunes, ils servent ici. Mon ton ami. Les cubes jaunes servent ici. Les cubes jaunes servent pour l'élection. Je crois qu'il te parle. Je crois que les cubes jaunes servent pour l'élection. C'est ça. Un point de vote. Ils servent ici. C'est ça. Et ils servent là. Ah, ils servent là aussi. Ouais, d'accord. Ils servent partout. Donc. Un jeu de mauvaise. Je vais dépenser un petit peu d'argent. Ouais. Allez. Tac. Monsieur dépense. Par contre, tu le mets derrière ton paravent cette fois. Pour pas qu'on sache où t'en es. Et donc là, c'est là qu'on voit l'intérêt. On sait plus trop qui en est au niveau des votes. D'accord. Ce qui fait qu'on sait pas si ça vaut le coup de courir après l'élection. C'est donc au joueur jaune. Jaune. C'est Toti. Qui est ultra concentré, regarde-le. Ouais, en fait, c'est les deux plus lents. Là. Ouais, non. Tu rigoles, j'ai joué en 2 secondes. Putain, t'as une notion. C'est pas ce qui est écrit sur l'écran là-bas. Mais... il pratique la distorsion du temps. Ouais, c'est. Comme les mus. Vous dites ça parce que vous êtes vénère, parce que je suis déjà frère. Vénère. Et que vous allez devoir. Je m'en fous, je suis pauvre. Putain, comme on est trop vénère, quoi. Ouais, t'as vu ça. Je suis vénère. Comment est-ce qu'on vient de quoi d'argent? 30. C'est généreuse. Tu es plus riche que moi. Reviens sur tes paroles. Rien. C'est moi, ça. Il peut. Non, là, je crois. Je sais plus. Je n'ai pas noté. Non. Si, j'en suis sûr. T'en es sûr? Moi, je ne sais pas. Mais j'étais là. 1, 2, 3, 4, oui. 2, 3. 3 ou 4? C'était le dernier, tu prends 4. Ah, oui. Tu prends 4. Ah, donc, tu voulais absolument être sur ma tête. Et tu laisses Monsieur Fallon. Écoute, j'aime bien toujours être le dernier à la traîne. J'aime beaucoup ça. Mais en plus, tu es au même niveau que nous, du coup. Et oui, c'est ça qui est bien. C'est bien calculé, en fait. Oui, c'est ça. À part ces petites erreurs sur le noir, mais je m'en souviendrai pour mes prochaines parties. Vas-y, Toti. Oui, tu peux. Celui-là ou celui-là? Le choix est difficile, hein. Tu l'as déjà lu celui-là? Non, c'est bon. Vas-y. Et puis après. Ah, on a recommencé un tour? Non, on n'a pas recommencé le tour. Non, moi j'ai pas encore joué. Ah non, il va pas me laisser. J'ai pas mis mon petit truc là. Sachant que j'ai gagné ce qu'il fallait pour. Ok, c'est bon, je peux? Bah, bien sûr. Bon, alors première chose, hop, je le prends. Ensuite, alors là par contre, je suis un peu au milieu du. Je suis dans un no man's land maintenant, parce que Rome ça ne m'intéresse plus. Firenze. Tu peux pas le prendre celui de Rome? Ah bah si! Bah alors. Autant tu l'aides, hein? Autant pour moi. Je suis gentil. Bah, ça c'est bien ça. Est-ce qu'il y a du manuscrit du niveau 1? Eh ben on y va. Par contre, les points de victoire, c'est vrai que pour le moment on n'a pas marqué Bézef, hein? Bah, parce que de toute façon, tout se compte à la fin, là, les points de victoire de cette piste-là, celle-là, ça fait 9, puis il y a les votes qui valent pas mal de points. Ensuite, j'ai toujours pas bougé, moi. Je sais pas où je vais aller. On est au tour 4. Tour 4 en 40 minutes, 10 minutes par tour, sachant qu'on joue un peu à la va-vite, parce que personnellement, je réfléchis pas trop quand même. Ouais. Donc effectivement, les 2 heures, on... Je joue plus rapidement que toi, alors. Ouais, les 2 heures, ils doivent bien y être, hein, et si tu réfléchis... 1, 2, 3, je vais aller à Bologne pour 3 points d'action et 10 ducats. Qu'est-ce que tu fais à Bologne? Tu n'as pas encore terminé l'envoi de ton messager. Je peux y aller quand même. Tu peux y aller. Je dis pas. Le port n'est pas à Bologne. Quoi? Le port est à Bologne. J'y suis allé à pied en fait. Comme un homme courageux qui a peur de bien sûr. Et je vais finir en fait. Ok. Nouveau tour. Ça tourne. On a bien compris. J'aime bien. Hop. Ah oui, c'est vrai que le problème des manuscrits dans la Languedoc, c'est que encore un vert, parfait. Ah lui, il est bien pour ces manuscrits. Venise.
De l'or à Venise. 25 or à Venise. C'est pas mal. Et ordre du tour. Donc, on a dit le dernier, c'est ça. C'est le jaune après. C'est le gris et le noir. Mais comme le jaune est en repos... Monsieur Jaune passe devant. C'est donc bien joué. Anthony. Vas-y, okay. Marchand. Bon, je te laisse jouer pendant ce temps-là. Qui me donne l'aumône? Ah, ça va être... C'est moi encore. Ah, ça, c'est moche. Plaisir. Ça, c'est moche. Il ne reste plus que 20. C'est moche. Je vais les claquer. Je vais à Venezia. Par où tu... Avec 3 déplacements, toi aussi. Et ça te rapporte quoi, Venise? 15. 15 et 25. Plus... Non, mais retourne-le juste, ouais. Pour savoir qu'il est quand même passé, mais que tu l'as eu. Oh la vache. Il est riche, hein? 30. T'as pris 30? Prends 5, parce que c'est 25. Hop. T'as pris 30, c'est tout. C'est parce que c'est 25. Et alors? J'avais déjà. Ah, c'est 30, que... autant pour moi. Je crois que c'était 25. Laisse-moi jouer, enfin. Ouais. Je pensais que tu savais pas encore compter. Oui. Il est... Ça s'apprend au CM2. Et on tourne direction. Qui suit les tours quand même. Bon, on le voit quand on bouffe les. Oui. Ce pion-là sert pas à grand chose finalement. C'est joli. Voilà. Ça fait avec ma manche. C'est mignon. Ouais. Et là, il réfléchit. Bon, écoute, quoi qu'il arrive, laissons-le réfléchir. Je crois qu'on a. Je vais remontrer la boîte. Hein. Ouais. C'est De Vulgari Eloquentia. On a vu que, en fait, l'air de rien, c'était super simple ce qu'on a à faire à son tour. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a juste à mettre en branle ses neurones pour essayer de trouver comment gagner. Et je crois qu'il faut au moins une partie complète pour se rendre compte des petites boulettes, des erreurs qu'on a faites et quelle stratégie il faut prendre. C'est ça. En tout cas, ça a l'air rudement efficace. Tu as terminé ton tour, mon jeune lapin, c'est à moi. Avancer sur. T'as le repris le repos, c'est ça? Non? Oui. Bah alors, faut que t'avances. Faut que t'avances. Bah oui. Ah, il n'a pas le bras assez long car il n'a pas terminé sa croissance. C'est à moi. C'est à moi donc. Écoute, je vais tenter. Ça te fait rire, ça. Hein.